Une bonne année, une bonne santé, beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite en trading. Alors le sujet de ce soir, c'est une formation sur le sujet du backtesting. Donc la notion de backtester ses stratégies. Alors bien entendu, comme on le voit sur le petit macaron, l'ellipse jaune-orangé sur le côté gauche, il faut la nano full pour pouvoir utiliser les fonction de backtesting de la nano. Alors, je propose de scinder cette présentation en deux. On va passer en revue dans un premier temps les fonctionnalités, une par une dizaine de fonctionnalités, pour vous donner un peu un aperçu un peu des particularités de NanoTrader en matière de backtesting. Et puis après, ce que l'on fera, c'est qu'on prendra un DAX et puis je vous montrerai un petit peu dans la pratique comment l'on travaille avec ces fonctionnalités. Comme ça paraîtra beaucoup plus pratique que de juste présenter des choses comme ça sur des slides. Mais on va quand même attaquer avec les slides tout de suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fil de la présentation. J'y répondrai avec plaisir si on a le temps, et sinon on les mettra peut-être vers la fin, quoi. Alors, je voudrais vous montrer en fait ces différentes caractéristiques que on va pas lire maintenant tout ce texte. On va attaquer. Ce sont des particularités de NanoTrader en relation avec le backtesting. La première chose, c'est dans NanoTrader, on peut en fait choisir ces agrégations. Je parle ici des agrégations à base de minutes temporelles, quoi. Donc, minutes, 3 minutes, 2 minutes, 5 minutes, 18 minutes, 12 minutes, 32 minutes. On peut déterminer soi-même la taille de l'agrégation. Et grosso modo, ce n'est pas le cas dans toutes les plateformes. C'est pour ça que je le mentionne, quoi. Deuxième chose, les indicateurs sont interprétables par leurs sentiments. Alors ça, c'est en fait une propriété très importante. Alors je vais essayer de l'illustrer par cet exemple-là. J'ai résumé un petit peu la conclusion de cette propriété, c'est que le trader n'a pas besoin de savoir programmer. J'explique. Si on prend ici un graphique, en l'occurrence un graphique à bougie du DAX, du mini DAX, on a pris comme indicateur un croisement de moyenne mobile. Donc on voit le croisement de moyenne mobile, on voit deux moyennes mobiles, une rose, enfin une violette et une bleue qui se croisent. Et on sait que la théorie autour des moyennes mobiles, c'est que lorsqu'on a un croisement, cela donne lieu à un signal. Donc ici, on a un croisement de la moyenne mobile rapide est en dessous de la moyenne mobile lente. Elle la croise et à l'issue d'une des bougies là, grosso modo, on est maintenant au-dessus de la moyenne mobile lente. Donc il y a signal. Alors, dans Nano, pour cet indicateur, mais pour aussi la majeure partie des autres indicateurs, la nano a prévu cette notion on va dire de signal, et elle utilise une technique qui s'appelle le sentiment. Alors, qu'est-ce que c'est le sentiment? C'est en fait ce qu'on voit en bas, c'est cette courbe, voyez, qui, par rapport à la bande verte en haut et par rapport à la bande rosée en bas, c'est une courbe qui se trouve entre ces deux bandes. Et lorsqu'on a un signal, par exemple à l'achat, à la hausse, vous voyez, la valeur du sentiment monte pour avoir la valeur de 100. Et à la bougie suivante, elle est redescendue. Vous voyez? Et maintenant, on est en mode, je dirais, haussier, à la suite d'un signal haussier.
Et du coup, la valeur est 65. Avant, on était en mode baissier, on était avec une valeur de 35. Donc, cette notion de sentiment, elle est très importante parce qu'elle est complémentaire de l'indicateur. L'indicateur tout seul, on ne sait pas, on peut juste le visualiser. L'indicateur à qui on associe un sentiment, il permet de faire deux choses. Il permet de faire du trading automatique et il permet de faire du backtesting. Vous voyez? Et troisièmement, je dirais de visualiser tout simplement des signaux sans rien déclencher d'autre, quoi. Alors, le sentiment, on peut en fait le modifier grâce en fait à une fenêtre qui est la fenêtre d'interprétation. Donc, quand on clique dans la barre de personnalisation sur interprétation, on a cette fenêtre qui s'ouvre. Et puis là, on voit exactement ce qui se passe. Le croisement de la rapide par le bas, du bas vers le haut. Ça, c'est l'événement numéro 1. Croisé au-dessus de la ligne de déclenchement. Et on a rentré comme valeur 100. Et du coup, on a eu comme courbe de sentiment, eh bien, tout simplement, la valeur 100 ici. Vous voyez? Donc ça, c'est à retenir comme étant un grand, grand plus de nano trader. C'est permettre aux traders particuliers de construire des stratégies en utilisant le sentiment des indicateurs, en les combinant, en les ajoutant, comment dirais-je, en faisant une sorte de combinaison de différents indicateurs. On arrive à définir des signaux. Et ça, c'est un petit peu. C'est un grand avantage parce que vous n'avez pas besoin de programmer tout ça. Hein. Donc, le message, c'est le sentiment aide à construire des stratégies et on n'a pas besoin de savoir programmer pour réaliser ces stratégies. Je regarde juste dans les questions. Je vois qu'il y a quelques questions. Ok, les historiques, je reviendrai là-dessus sur les historiques. Une mayonnaise d'indicateurs et de filtres, François nous dit. On pourrait aussi parler de salade grecque. Mayonnaise ou salade grecque. Mayonnaise, ça fait plus français. Salade grecque, c'est plus, comment dirais-je, méditerranéen, quoi. Quelle est la différence entre un sentimenteur et un filtre? Ok, ça c'est une question, une très bonne question. Un sentimenteur, je traduirais ça tout simplement par un indicateur technique. Une moyenne mobile, un croisement de moyenne mobile, un MACD, un RSI, etc. Ça c'est des indicateurs. Dans le jargon de la nano, on appelle ça sentimenteur parce que on attache à l'indicateur le. Un sens du point de vue du trading, c'est-à-dire le côté déclencheur de signaux, grosso modo. Le filtre, c'est tout à fait différent. Et le filtre, Delphine, je montrerai ça dans la deuxième partie quand je montrerai un exemple pratique. Là, je vous montrerai le filtre. Mais grosso modo, le filtre, c'est comme un interrupteur. Sous certaines conditions, on laisse passer les signaux. Sous certaines autres conditions, on les bloque. L'exemple le plus simple, c'est d'imaginer par exemple, une moyenne mobile, tout simplement. Hein. Quand elle est à la hausse, on laisse passer les signaux haussiers. Quand elle est à la baisse, on laisse passer que les signaux baissiers. Ça, c'est le filtre, la notion de filtre. Alors, on continue. Alors, on arrive sur les filtres blocs délimitent la journée de trading. Alors, de quoi parle-t-on ici? Il y a deux types de filtres. Il y a plusieurs types de filtres, mais il y en a deux particuliers qui sont intéressants. C'est le filtre bloc, le filtre flat. Alors le filtre bloc, quand on regarde sur ce graphique, on voit ce fond d'écran qui est légèrement rosé. Eh bien, ça, c'est en fait ici un filtre, là deux filtres. Il y a deux filtres. On voit ici que dans la barre de personnalisation, on a en fait deux filtres bloc de 0 h à 10h29, on voit grosso modo que ça c'est la première partie.
Et puis, on a bloqué de 12h30 à 14h59, c'est-à-dire en fait jusqu'à 15h. Et ça, c'est le deuxième filtre. Alors, qu'est-ce qu'un filtre? Bloc, c'est grosso modo un outil pour vous permettre de ne pas déclencher on va dire de signaux et de choses comme ça pendant des plages horaires que vous définissez. Voyez, vous pouvez dire, je veux trader de 8h du matin à 10h du soir, mais je veux éviter 12h, 15h, par exemple, ou je vais éviter 17h, 18h. Dans ce cas, on utilise un filtre bloc. Le filtre flat, ça c'est un autre concept. Ça c'est un concept de si je suis en position, le filtre flat clôture la position à l'heure que j'ai souhaité. C'est-à-dire, vous voyez, on le définit comme une plage parce que quand on voit ça, si je suis en position à 20h59 et 59 secondes, ce filtre flat va me faire sortir de position dès la première ou la deuxième seconde après 21h, immédiatement, en gros, hein, le temps que ça s'exécute, tac, on est sorti. Après, pourquoi il y a une plage? Parce que après, si vous avez d'autres signaux qui sont potentiellement qui pourraient se déclencher, après le début de la plage qui commence à 21h, aucun signaux ne peut être activé ou exécuté, quoi. Donc ça veut dire c'est la fin de journée, c'est terminé, il n'y a plus rien qui s'exécute. Je clôture les positions et je bloque toute nouvelle ouverture de position. C'est ça que ça veut dire un filtre flat. Et c'est très pratique. Alors, je reviens un petit peu sur cette notion de sentiment. Les positions sont ouvertes grâce au métasentimentor. En effet, prenons ce cas de figure qui ressemble un petit peu à ce qu'on avait avant. Et on voit ici qu'on a rajouté, on a notre croisement de moyenne mobile qu'on voit ici dans la barre de personnalisation. La barre de personnalisation, c'est en fait ce que contient notre stratégie. Voyez? Donc ici, il y a différentes parties. On voit que il y a un répertoire pour les filtres. On a les deux filtres blocs, le flat. Puis après, on est dans les indicateurs. On a ce métasentimentor dont je vais expliquer la signification. Et en dessous, on a deux indicateurs qu'on pourrait appeler sentimentor si on voulait. Crossing MA, c'est-à-dire un croisement de moyenne mobile. Et puis un MACD, on les voit. Donc là, on a le croisement de moyenne mobile, on a l'MACD. Alors vous voyez que, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on parlait avant de salade grecque et de mayonnaise? On a ici, dans Metasentimeter, on a en fait la somme des deux sentiments. Le sentiment du premier indicateur, le croisement de moyenne mobile, et le sentiment du deuxième indicateur, le MACD. On fait la somme et c'est la courbe qu'on obtient. Cette courbe, après, on peut jouer sur la bande verte, à quel niveau on veut fixer le seuil bas de la bande verte, à quel niveau on veut fixer le seuil haut de la bande rose. Ça, ce sont les seuils qui vont faire déclencher des achats et des ventes. Voyez? Donc, on peut combiner des indicateurs. Et en fait, Metasentimentor, c'est une sorte de moyenne pondérée des différents sentiments. Voyez? Et c'est ce qui sert à la base d'information pour que si on veut se placer dans le domaine du trading automatique, on veut automatiser une entrée en position, en fait la nano va agir sur la base de cette courbe. L'interaction entre cette courbe et puis les bandes vertes et les bandes roses, moins toutes les parties qu'on l'on bloque, voilà. Donc ça c'est vraiment clé. Donc c'est un mot méta, ça veut dire plusieurs sentiments. Voilà. Alors continuons. Chaque trade est visible dans le graphique. Bon. Alors ça paraît évident pour, je dirais les mordus de la nano, mais quand on y réfléchit pour tous les gens qui, je veux dire, découvrent la plateforme et ne la connaissent pas, c'est une information importante.
Dans NanoTrader, on voit les indicateurs, mais on voit aussi, lorsqu'on est en mode désactivé, en fait, ce qui est le cas ici, on voit en fait les signaux, on voit les stops. Donc on voit en fait tout ce qui contribue à ouvrir une position, fermer une position. Et ça, c'est très important parce que lorsqu'on analyse une stratégie et que on veut comprendre pourquoi notre stratégie fonctionne ou pourquoi elle ne fonctionne pas bien, c'est très important de pouvoir se référer au graphique. Dans ce cas-là, on fermerait la barre de personnalisation, on diminuerait le méta-sentimenteur pour libérer de l'espace, on ouvrirait notre fenêtre en grand, et puis on peut étudier, aller dans le passé, étudier pourquoi nos signaux fonctionnent, ne fonctionnent pas, etc. C'est très important pour comprendre ces stratégies et pour s'améliorer et les améliorer elles, quoi. De toute façon, on verra ça après dans l'exemple pratique. Alors, on arrive maintenant à la sixième propriété ou fonctionnalité. Donc, l'infobar, la barre d'information, produit des statistiques instantanément. Très important. Vous voyez ici, on ouvre cette barre. Donc, ça, c'est une barre typiquement pour je dirais, dans l'optique de faire du backtesting. Donc, on voit tout de suite cette barre, qu'est-ce qu'elle nous donne? Elle nous donne un résultat. Voyez, profit total net, nombre total de trades, nombre de trades gagnants 41%, nombre de trades perdants 59%, gain moyen sur perte moyenne un facteur de 2,12, voyez, et plein d'autres paramètres. Et tous ces paramètres sont des paramètres, ce sont tous des critères de performance. Mais le critère ultime de performance, c'est le premier. Et en fait, ce profit total net, c'est la valeur par défaut qui est affichée dans la nano quand on ouvre la barre d'infos. Mais on peut choisir d'autres critères, et ça, je les ai indiqués sur la gauche. Critères possibles, autres critères possibles, devrais-je dire. Moyenne, enfin, trade gagnant moyen, pourcentage profitable, espérance, ça c'est un calcul à base de différents critères. Facteur profit, performance totale sur seuil de perte. Ça, c'est en fait performance totale, donc une notion de monétaire, de somme des gains et des pertes, divisé par seuil de perte. En fait, c'est la traduction de drawdown. Drawdown, c'est-à-dire perte cumulée sur la période étudiée, la plus grande perte cumulée. Donc, on divise la performance totale par la paire, et c'est ça qu'on essaie d'optimiser d'une certaine manière. Et ces critères, on voit ici à côté période d'opti, en fait c'est d'optimisation, parce que ce critère, un peu plus loin dans la présentation, on parlera de la fonction d'optimisation. Et quand on fait de l'optimisation, on fait varier des paramètres au niveau de la barre de personnalisation, tous ces paramètres que vous voyez là, en vue de maximiser le critère ultime de performance, c'est-à-dire en cas général performance totale, somme des pertes et profits, mais aussi les autres critères qui sont dans cette liste. Et ça, après, c'est une histoire d'expérience et de savoir qu'est-ce qu'on recherche vraiment. Mais c'est important de savoir ça parce que beaucoup de gens, ils ignorent ça. Donc, d'où l'intérêt d'une présentation comme celle-ci ce soir. Alors, on continue. La courbe d'equity. Alors, la courbe d'equity, ça, c'est une autre star de NanoTrader. On appuie sur un bouton et elle nous montre la performance en fonction du temps. Parce que la barre d'infos nous montre un total à la fin de la période étudiée, mais la courbe d'equity, elle, nous montre l'évolution du résultat cumulé sur la période étudiée. Donc, là, on a une information supplémentaire, c'est-à-dire que grosso modo, si on tend à avoir plutôt une sorte de pente, ça veut dire qu'en fait, la production de résultats est plus ou moins constante dans le temps. Ça veut dire que notre stratégie est profitable sur la durée. Alors, ça, c'est bien sûr l'objectif un petit peu recherché par tout le monde, de trouver un peu des stratégies dont la performance se maintient dans le temps. Ça, c'est un peu le but. Et
avec la fenêtre d'Equity, on arrive à voir cette réalité, si c'est vrai ou si c'est faux. Alors, j'ai mentionné ici sur le côté un autre élément, c'est que on peut aussi afficher la courbe d'Equity sous la forme d'une courbe journalière, c'est-à-dire on commence chaque journée à zéro et on voit, grosso modo, l'évolution journée par journée. Donc ça, c'est un petit peu au choix. On peut faire les deux de temps en temps. Moi, ça m'arrive d'aller sur l'un, sur l'autre. Mais je dirais, je vais plutôt regarder celle-ci-là, hein, telle qu'on la voit, c'est-à-dire essayer de chercher un peu de pente, quoi. Alors, la perf totale prend en compte le coût de la plateforme. Alors, Geoffroy, on peut tout à fait, dans une autre fenêtre que je n'ai pas mentionnée ici, on peut en fait rajouter par exemple une commission, on peut rajouter un slippage si on veut, donc incorporer la notion de que le prix qu'on voit, ce n'est pas exactement le prix qu'on va toujours avoir parce qu'on rentre au marché le temps que notre ordre soit exécuté. Dans le marché, ça peut être un petit peu bougé, on a un tick de plus ou un tick de moins. Tout ça, on peut le rentrer. C'est du finassage, je dirais un petit peu. De mon point de vue, je dirais, la commission, on la connaît. On va chercher quand on travaille en backtest de minimiser le nombre de trades de toute façon. Et moi, je n'utilise pas slippage, par exemple. J'essaie d'avoir une stratégie logique. Et alors, j'essaie ensuite de voir si elle me donne un résultat attendu. Mais je vais pas, on va dire, micromanager le backtest à mettre plein de, on va dire, de petits réglages comme ça. Parce qu'il y a encore d'autres réglages, en fait, dont il faudrait 1 heure pour expliquer tous ces réglages. Ici, j'en parle pas. Mais disons, on peut faire ce que vous souhaitez faire, sans problème. Alors, un rapport à un histogramme. Alors ça, c'est bien pratique. Alors là, deux boutons, on clique sur l'un, on a un histogramme. Histogramme, excusez-moi. Histogramme, je crois que c'est en anglais. Histogramme. Alors histogramme, par trade, par jour, par semaine, par mois, par année. Oui. C'est intéressant, ça donne une vue. Ça nous montre un petit peu la régularité ou pas de la performance et ce à quoi s'attendre. Par exemple, vous voyez, on peut au final gagner, mais il faut être capable d'encaisser des pertes comme ça. Et pourquoi pas 1, 2, 3 mois de suite. Ouais. C'est intéressant de voir ce genre on va dire d'histogramme. La deuxième chose ici, c'est un rapport. Le rapport, lui, il sort comme dans une page HTML, mais on peut l'exporter. Le coller dans Excel, essentiellement, je dirais, si on veut travailler, ça sera Excel. D'Excel, on peut le mettre dans Access. Enfin, moi, j'utilise ça quand je fais l'étude du deuxième lot. Le premier lot, le deuxième lot. Vous voyez, le premier lot, ça veut dire la stratégie de base. Et on imagine que, par exemple, on ait un objectif, un ordre limite proche. Sortir avec un gain rapidement et on est un deuxième ordre limite mais plus éloigné par exemple. Donc dans ce cas-là, je vais utiliser ce rapport, le coller dans Excel et de ce rapport, je grosso modo parviendrai à backtester l'impact sur le deuxième lot. Bon, ça c'est un peu tout un autre sujet, mais pour dire que c'est très utile quoi. Alors ensuite, l'analyse sensitive, alors ça c'est vraiment le bouton que j'utilise presque le plus. L'analyse sensitive, regardez, ça c'est du vrai réglage vraiment. On travaille sa stratégie, on veut comprendre l'impact par exemple sur ce stop qui s'appelle le period high-low stop. Il a plusieurs paramètres. Le premier c'est le nombre de périodes. En gros, c'est quoi? C'est. Enfin, c'est le nombre de périodes utilisées pour définir le plus bas de la période précédente, c'est-à-dire en l'occurrence le plus bas des 10 dernières bougies.
Donc, on va positionner son stop sur le plus bas des 10 dernières bougies et de la même façon, le plus haut des 10 dernières bougies. Alors, cette notion de le plus haut, le plus bas, ça se résume par ce paramètre. Mais ce paramètre, on peut le mettre sur 3, on peut le mettre sur 10, sur 20, sur 50. Alors, l'analyse sensitive, elle nous permet, par un clic droit et un bouton, d'étudier en l'espace de quelques secondes l'impact sur la performance, en l'occurrence le cumul de nos profits et pertes. Ça va nous étudier la variation, l'évolution du résultat total par rapport à ce paramètre. Donc, quand on regarde ça, par exemple, on voit que plus on éloigne notre stop, puisqu'on le calcule sur une base, une période plus longue, donc ça va l'éloigner du prix actuel, eh bien, en fait, ça nous fait gagner. Ouais, c'est une information intéressante. Plus on repousse notre stop, mieux c'est. Mais pour cette stratégie en particulier, quand on dépasse un certain niveau, là, c'est l'effet inverse. Ça va diminuer notre performance. Dans ce cas-là, on se dit qu'il y a une sorte de point un petit peu optimal au niveau juste de ce paramètre. On n'est pas en train de parler ici d'une optimisation systématique de tous les paramètres. On parle juste de paramètre par paramètre. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et moi, je l'utilise de façon extensive, intensive. Et je vous conseille vraiment comment dire, de vous intéresser à cette fonction et de l'utiliser. Alors, ensuite, l'optimisation. L'optimisation, alors ça c'est le net plus ultra, c'est aussi un gain de temps, ça permet je dirais, de faire apparaître des solutions auxquelles on ne pensait pas. De quoi s'agit-il? Il y a un bouton ici, il ouvre une fenêtre. On est capable de faire la chose suivante, on définit sa performance, le critère d'optimisation, c'est-à-dire ce qu'on essaie d'optimiser. En l'occurrence, ici, c'est la performance totale, hein, somme des gains et des pertes, mais on peut choisir ces autres critères. Et quand on lance l'optimisation, la plateforme, grâce à on va dire des modes de calcul, des algorithmes qui sont très performants, elle va très rapidement calculer et vous donner des résultats qui se présente comme ça. Donc on voit les résultats, la performance totale. On avait commencé avec 1445, puis 2000, 2500, etc. Et donc, pour chaque solution au problème, hein, d'une certaine manière, pour chaque résultat, on verra après quel paramètre a bougé, etc. Et on verra est-ce que ça a un sens, est-ce que ça n'a pas de sens. Et de toute façon, dans l'exemple que je vais vous montrer après, on va le revoir, ça. Alors, il y a une question de Delphine. Selon votre expérience, la sensibilité des paramètres se fait-elle en une fois ou on la garde sur la durée ou doit-on la retester régulièrement? Alors Delphine, je dirais, ça dépend un peu, je dirais, ça dépend un peu dans quelle optique on est. Soit on essaie de faire un peu du trading d'opportunité, c'est-à-dire on va vérifier une stratégie sur les derniers mois, par exemple. Dans ce cas-là, on s'attend à ce que les paramètres puissent bouger et on s'attend à ce qu'on ait à remettre en cause un peu la stratégie régulièrement parce que la période pendant laquelle elle marchait bien, peut-être c'est terminé tout simplement. Donc, dans ce cas-là, il faut peut-être checker régulièrement, revoir les trades qu'on a faits. S'intéresser, est-ce que je dirais notre période est toujours la même, pas la même, est-ce qu'on s'aperçoit que les signaux arrivent à des autres moments de la journée que l'on capture ou que l'on capture pas à cause de notre période horaire, etc. D'un autre côté, il y a une autre approche, c'est l'approche plus systématique de travailler sur une période très longue, 10 ans, 5 ans, 4 ans, oui. Et là, on cherche un réglage et
quand on a trouvé une stratégie qui donne une bonne performance, une bonne régularité de courbe d'equity, ben on la teste en réel et là, on ne va pas tellement changer les paramètres. Voyez? Et souvent, on s'apercevra que, par exemple, un an après, on refait des tests de sensibilité et ça n'a pas changé fondamentalement la valeur des paramètres. Mais ça peut être aussi parce que, comme on a 6 ans, ben, une année par rapport à 6 ans, c'est que 1 sur 6, quoi. Voyez? Alors, continuons. Donc, j'arrive maintenant à la question sur les historiques. Alors, là, il faut considérer deux choses. Il faut considérer d'un côté le compte futur. Donc, lui, le compte futur, il a des données historiques très étendues dans le temps, jusqu'à 10 ans, moyennant un abonnement que l'on peut aussi désactiver. Hein, si on peut faire 3, 4 mois, 6 mois on va dire, de backtest intensif. Puis après, on n'est plus relax. Dans ce cas, on n'a pas besoin de payer cet abonnement, on le coupe. Mais en tout cas, l'abonnement, c'est 40 euros par mois. Ce sont des données historiques de très haute qualité, puisque ce sont des données historiques de notre fournisseur VWD, qui est un spécialiste depuis 15 ans, notre fournisseur attitré pour ces données historiques. Et lui, les données historiques sont basées sur les trades effectués dans le marché des futurs. Donc, dès que, par exemple, vous avez le volume de trading qui augmente sur une nouvelle expiration, dans les données historiques, lui, il va mettre la nouvelle expiration à partir de cet instant-là et pas l'ancienne expiration. Parce que l'ancienne expiration, elle peut ne plus être significative si tout le volume se fait sur la nouvelle expiration. Donc, lui, les données historiques qu'il fabrique, elles sont super, super précises et on peut les croire et c'est vraiment ce qui s'est passé dans la réalité, quoi. On peut même demander cet historique si on veut, par exemple, travailler. On n'a qu'un compte CFD, on n'a pas de compte futur, mais on a envie de, malgré tout, accéder à ces données de très haute qualité pour faire une étude de stratégie, quitte à la trader après en CFD. Il n'y a pas de problème. Moi, je fais couramment ça, hein, je travaille avec ces données historiques futures et puis je fais une partie du trading automatique sur un compte CFD, une partie du trading automatique sur un compte futur. Après, quand on a le compte futur, le compte CFD, excusez-moi, j'attire votre attention sur le fait que vous pouvez cliquer sur WHS Store à l'intérieur de la plateforme ou à l'extérieur par le site et vous allez vers le bas des pages et vous verrez données historiques, par exemple CFD France. Donc, par défaut, les données historiques de notre fournisseur, elles sont limité à, on va dire, un certain nombre de jours, etc. Mais nous, en fait, on a négocié avec eux pour avoir le droit d'offrir un peu plus. Donc, on conserve ces données qui leur appartiennent, ne appartiennent. Ce sont les données de notre fournisseur. On ne peut pas faire non plus ce qu'on veut avec si facilement. Mais on a négocié un deal intéressant. C'est que on peut vous donner un peu plus d'historique gratuitement sur les échelles de 1 minute, 5 minutes, 60 minutes et bien sûr journalier, quoi. Donc, je vous encourage à cliquer là-dessus et de vérifier un petit peu par vous-même ce que vous obtenez, mais c'est plus que ce que l'on obtient par défaut, je dirais. Et sur du 5 minutes ou un multiple de 5 minutes, on aura, on va dire, quasiment une année, quoi. Si on veut les futurs, 10 ans, c'est autre chose, c'est sûr. Mais c'est la réponse pour ce qui concerne les historiques. Alors, maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer à l'exemple. Donc, quelle heure est-il? 18h35, c'est parfait. Donc, je suis maintenant dans la nano qui est ouverte, vide, et je vais ouvrir ici le DAX futur. Donc, je tape le DAX et je vais ouvrir. Alors, je me suis fabriqué une petite étude par défaut. Alors, cette étude, qu'est-ce qu'elle me donne? Elle me donne, grosso modo, la barre de personnalisation ouverte, rien dedans, 5 jours de DAX sur du 1 minute. Et moi, je veux en fait, moi, je veux du 5 minutes en fait. Donc, voilà, je me suis mis sur 5 minutes.
C'est ça que je veux, je vais sauvegarder, voilà. Et à partir de ça, maintenant, je vais un petit peu commencer à vous montrer ces fameuses fonctionnalités dont on a parlé, de manière à rendre on va dire la présentation intéressante et concrète. Alors, Delphine, quelle est la différence entre les fichiers blancs et les fichiers jaunes? OK. Maintenant, regardez, supposez que je viens de modifier 5 minutes, mais supposez que je rajoute, par exemple, un croisement de moyenne mobile, oui. Je sauvegarde ça. Ça, ce que j'ai sauvegardé, c'est une étude. Et cette étude, elle apparaît en fait dans l'arborescence, c'est celle-ci. Mais l'étude originale, c'est celle-là. Donc l'étude originale, elle est toujours là, on peut toujours y revenir. Donc si vous aimez présenter votre graphique d'une certaine façon, avec certains indicateurs qui sont toujours là, bah, vous fabriquez votre étude à vous. Et pour la transformer en ce petit fichier jaune, vous faites sauvegarder comme STUB, STUB. STUB. N'oubliez pas que notre informaticien est un informaticien allemand. Donc STUB, ça doit venir de la langue de Goethe, quoi. Et quand vous faites ça, vous créez votre propre étude par défaut, et vous pouvez avoir plusieurs études par défaut pour différentes circonstances, quoi. Donc c'est très très puissant. Alors on revient sur notre étude. Je vais charger le fameux Meta Sentimentor. Je peux le chercher en tapant, mais je l'ai en général dans les favoris ici, donc je mets Meta Sentimentor. Et je vais rajouter en fait un signal. Ce signal, ça s'appelle le fameux Tree Line Break. C'est un signal développé par notre société. Ça vient, c'est pas nous qui l'avons inventé, mais c'est nous en tout cas qui l'utilisons ou le proposons parce que c'est un signal très intéressant. Il est là. Alors on en a deux. Il y a celui-là, le signal qui date de 2013, et ça c'est la version 2 qui date de l'an dernier. On va prendre celle-ci. Vous verrez pourquoi après. Affiché dans le graphique principal comme sentiment. Je ferme. Je vais retirer le croisement de moyenne mobile parce que j'en ai pas besoin. Je peux faire ça simplement. Voilà ce qui est fait. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit le. Alors j'ai. En fait, j'ai éliminé le mauvais. Alors je recommence. Signal. Tri. Voilà, il est là. Hop, hop, hop. Ok. Ok. Donc, prenons par exemple la journée d'aujourd'hui. Oui. Donc, pour juste expliquer ce que c'est. Donc, le Tree Line Break, c'est une bande basée sur les prix de clôture. Le marché est encadré par cette bande. Par exemple, ici, plutôt à la hausse. Le marché, tant qu'il reste dans la bande, on considère qu'on est en période de hausse. Mais à un moment, on part latéralement, ça se resserre, on est en range. Et à un moment, la bougie clôture à l'extérieur. On appelle ça un retournement de tendance. Ça, c'est un signal. Okay. Il y a d'autres types de signaux, comme par exemple, une fois qu'on est maintenant dans ce mouvement à la baisse, oui, si maintenant on casse la bande vers le bas, on peut aussi utiliser ça comme signal. Regardez ici pour le réglage, nombre de signaux short. Si je mets par exemple, regardez bien la courbe en bas. Regardez bien la courbe en bas. Maintenant, on est dans l'optique vraiment simple. Ça, c'est comme notre Tree Line Break de 2013. Maintenant, la version numéro 2, elle permet d'ajouter des signaux supplémentaires. Donc, si je passe sur 2, vous voyez, 3, 3, si je prends. Voilà. On a ce signal ici. Eh bien, on peut aussi le prendre à condition qu'on joue sur ce paramètre et qu'on permette à la nano de nous offrir plus de signaux. D'accord? Donc dans le cas d'aujourd'hui, par exemple, c'est bien. Dans d'autres cas où on est dans un range, il faut peut-être pas trop rajouter de signaux, quoi. Alors je vais le mettre sur 1 pour le moment.
Et bon, je vais laisser ça ouvert. Et ce que je vais faire, c'est ici, vous voyez, il y a des boutons là-haut. Un bouton par rapport à des signaux, un bouton par rapport à des infos. Ce bouton, c'est par rapport à des stops. J'active en fait ces signaux, enfin ces trois boutons, de manière à, regardez, je double-clique sur la barre du temps. Et qu'est-ce que j'ai maintenant? J'ai en fait ici un signal au tout début. Et comme j'ai ni stop, ni fit, ni quoi que ce soit, j'ai juste un signal et maintenant je suis en position sur ce signal. Mais le signal, il est représenté par ce petit triangle rouge. Après, vous verrez d'autres signaux, enfin d'autres triangles. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va rajouter la barre d'infos. Donc la barre d'infos, on avait dit, ça nous permet de mesurer la performance. Donc barre d'infos, c'est là. On tombe par défaut là-dessus. On va en bas. Vous voyez, éval, c'est pour évaluation. Voilà. À partir du moment où je garde cette barre d'infos là-dessus, la prochaine fois que j'ouvrirai, je fermerai, je tomberai toujours sur la barre d'infos telle qu'elle est maintenant. On voit quoi? On voit que on est rentré, il y a eu un trade. Et pour le moment, on gagne 3625 parce qu'on était short. Ça correspond à la différence entre ce prix d'entrée et le prix actuel. Donc le marché actuellement, il trade à 13 307. Je continue et je vais dans la barre de personnalisation. Là, vous voyez qu'il y a un répertoire qui s'appelle Paramètres Trading System. Je clique dessus et là, je vais activer notre graphique. En anglais, on appelle ça Equity. Equity, ça fait référence à capital, valeur du compte. Je vais faire passer ça au-dessus. Donc, je clique dessus. Hop, je relâche. Le Meta Sentimeter, on n'en a plus besoin. On a compris de quoi il s'agit. Et j'ai maintenant, grosso modo, la performance. Donc, comme on est rentré là et qu'on est, on est pour le moment à ce niveau-là, ben, ce qu'on voit, c'est l'inverse de la courbe du marché. Ça montre aussi que la courbe d'equity, elle nous montre, elle varie en fonction du marché jusqu'à ce que on clôture la position. D'accord? Et voilà. Donc, je continue et je vais maintenant rajouter un filtre flat. Donc, on est vraiment en train de passer en revue tous les éléments dont j'ai parlé avant. Le filtre flat, il est là. On voit qu'on peut aussi le sélectionner dans les favoris où on tape en haut. OK, filtre flat, filtre flat. Alors, le filtre flat, maintenant, il n'est pas activé. Si je clique là-dessus, hop, il s'active. Et qu'est-ce qu'il fait? On voit une plage horaire apparaître pour chaque journée. Donc, on a la journée du 22, la journée du 23, 24, 25. Et à la fin de journée, sur une plage horaire de 18h à minuit, on ne veut plus trader. Ça veut dire que si on a un signal comme dans le cas de la première journée, on rentre, eh bien, on sortira à la clôture. Vous voyez? Alors, bien sûr, on peut modifier. Pour modifier, il faut aller sur ce petit bouton. Et là, on va modifier, on va dire par exemple 21h45. Hop, qu'est-ce que ça fait? Ça raccourcit. Alors, il y a une chose importante à savoir, c'est que y a-t-il un filtre pour arrêter de rentrer en position à partir d'une certaine heure? Oui, c'est le bloc, mais ça aussi peut être le flat. Delphine, ici le flat, il a deux fonctions. Premièrement, il ferme une position qui serait éventuellement ouverte. Deuxièmement, il ne permet plus d'ouvrir de position. Supposé qu'on soit en mode automatique. On ait un signal après, il ne va plus l'accepter. Pourquoi? Parce que c'est le filtre flat qui est activé et lui, il bloque l'ouverture d'une position après le début de la plage horaire. Ok, alors quand je double-clique sur la, ça m'affiche tout ce qui est dans l'écran. Alors, bon, là on voit maintenant, vous voyez différents signaux puisque à part cette situation un petit peu exceptionnelle où on a eu un gap et grosso modo, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, c'est aussi le signal est correct, enfin où la bande verte elle est correcte. Mais c'est un petit peu un cas particulier, quoi. Ici, on sort du cas particulier dans la journée d'hier. Voilà, on est dans un range, on sort, crac. Et maintenant, tac, 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 le marché décale.
il remonte, on reste dans cette zone, on va dire, rouge, et on continue, là, ça se retourne, etc., quoi. Oui. Donc, nous, on va utiliser un petit peu ce signal, parce que ça crée des... C'est assez facile à voir, les signaux sont faciles à expliquer. Alors, la plage horaire, c'est aussi une chose intéressante. Là, vous avez, dans le signal, vous pouvez dire, bon, un DAX, c'est de toute façon, on parle ici d'un DAX futur, donc pas du CFD. Hein. Donc, il commence à 8 heures, on peut mettre 8 heures. Et on peut, par exemple, vous voyez ici, il y avait une entrée vers 8 heures. Et là, on voit qu'il y a une entrée vers 9 heures à peu près. Donc, ce qu'on va dire, c'est par exemple, je veux éviter d'entrer. Si je veux éviter le début, je vais mettre par exemple 9 heures. Oui, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? On voit que les signaux ont disparu et maintenant ça commence que à 9 heures. Oui. Je reviens sur 8 heures. Voyez, là il y a deux signaux de plus. Donc ici, vous avez la possibilité de couvrir la plage horaire totale. On va le laisser comme ça pour le moment. Et puis, vous avez aussi la possibilité, en fait, de rajouter un bloc. Donc, bloc, c'est là, ou alors ça se trouve là, dans les filtres, bloc. On met le bloc, voilà. Et on va dire que nous, on est d'accord pour trader de 8 h à 23 h 59, mais on veut surtout éviter, je dis par exemple, 12 h jusque 15 h. Alors là, on le marque comme 14 h 59. Petite convention à savoir. On active, on regarde, et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que cette zone, elle est maintenant désactivée. Oui. La couleur fait qu'on sait qu'il y a un filtre bloc, et du coup, il n'y a pas eu de, y a pas de signal ici, quoi. Donc, le bloc, c'est très important. On m'a dit que certaines plateformes très populaires en France n'ont pas cette fonctionnalité. Donc, je me permets de réexpliquer quoi. Y a-t-il un filtre pour arrêter de... Alors, oui, mais il va nous fermer nos positions. Oui, mais alors, Delphine, il faut utiliser le filtre bloc. Le filtre bloc, soit le filtre bloc, soit le réglage lui-même. Donc, si vous êtes sur votre propre signal, vous utilisez un filtre bloc et lui va vous bloquer. De telle heure à telle heure, il vous bloque. Vous pouvez le faire aller je sais pas moi, de 10 h de 22 h à minuit, et après vous mettez un autre bloc de 0 h à, je sais pas, 6 h du matin, et là vous n'avez pas de trade durant la nuit. Oui. OK. Alors, on continue. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est on rajoute 200 jours. C'est comme si on faisait vraiment la salade grecque, quoi. On rajoute de l'huile, on rajoute du vinaigre, on rajoute du poivre, du sel. Alors ici, on a le graphique. Il est un petit peu grisé, tout ça, parce qu'on a tous ces filtres blocs, etc. Et alors, vous observez que la courbe d'equity, elle reste étendue uniquement sur le morceau précédent. Le morceau, c'est-à-dire la plage horaire étudiée précédente. En fait, il faut ici, sur le côté gauche, afficher les outils de contrôle pour le backtest. Et là, vous avez trois boutons. Donc, ce bouton, comme vous pouvez le lire, il étend la période d'évaluation sur la période chargée. Donc, j'appuie et maintenant, on voit l'impact donc de cette stratégie telle qu'elle est maintenant sur la période. Vous voyez? Alors, je vous dis juste comme ça très rapidement que ici, on peut dire par exemple, ouais, j'ai une période ici, je veux uniquement étudier cette période, alors vous cliquez sur le bouton à gauche. Hop, ouais. Si vous dites par exemple, vous définissez grâce à ces boutons deux dates, une fois que vous les avez définies, vous allez alors vous baser sur ce bouton, le bouton à droite, pour zoomer sur la période. Et alors, les fonctions de backtesting, elles ne sont
activé que pour cette période en question et pas le reste. C'est très intéressant. Moi, j'utilise ça aussi très souvent quand je veux étudier des morceaux de backtest, pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas. Maintenant, on va l'étendre sur la totalité. Voilà qui est fait. Alors, maintenant, il y a une chose très importante dans le backtest, et ça, c'est maintenant plus, je parle d'expérience. Vous voyez, on est sur du 5 minutes. Je vais en haut, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 50, 60. Vous voyez, quel est le point que je veux faire ici? Le point que je veux faire, c'est que ce paramètre est très important. On peut avoir une bonne stratégie avec un certain instrument et on est sur la mauvaise agrégation. Il faut trouver la bonne agrégation. Peut-être qu'on s'aperçoit qu'il n'y a aucune agrégation qui est bien. Ici, on va se mettre sur 15 minutes. Le fait d'augmenter l'agrégation, ça permet de diminuer le nombre de trades. Regardez, si je suis sur du 5, regardez à droite, 137 trades, moins 3000 de pertes. J'augmente 133, on a réduit, 15, 122, 109, 90. Oui. Donc, plus on augmente, moins on a de trades, ce qui est mieux, pensez au coût, pensez à la question d'avant sur la question des coûts. Alors, avançons, parce qu'on se rapproche de 19h. Nous, on va regarder 15 minutes. Après, un autre élément. L'autre élément, c'est on est en présence de contrats qui sont tradés pour, dans certains cas, toute la journée, mais dans la réalité, ils ne sont pas intéressants toute la journée. Donc, vous, il faut un petit peu regarder. Donc, par exemple, ici, je me positionne sur 8h, 11h59. Ouais. C'est le matin. On est dans une optique de matin européen. Je fais maintenant 12h, 14h59 par exemple. Alors là, comme on avait notre blog, on défait le blog et qu'est-ce qu'on s'aperçoit que ça n'apporte pas de valeur, d'où le fait de mettre le blog, on va bloquer cette période. Voilà. 15h, allez, je mets 23h59. Là, on est maintenant dans l'après-midi. Et l'après-midi, on peut encore le subdiviser, etc. Le point que je veux faire, c'est que ce paramètre est très important aussi. Maintenant, pour les besoins de un petit peu le petit exercice, on va se mettre dans le matin, comme on est un petit peu en Europe, là, on va se mettre le matin. Donc nous, on considère juste des trades du matin avec cette stratégie, c'est tout. Alors, une autre fonctionnalité très intéressante, c'est Time Stop, c'est-à-dire je tape Time Stop, vous voyez, il apparaît ici. Time Stop, c'est une fonctionnalité qui permet en fait de voir que se serait-il passé si on avait clôturé 10 barres après le point d'entrée, 10 bougies après le point d'entrée. Vous voyez? Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on peut expérimenter un petit peu notre fameuse analyse sensitive. Donc, je vais réduire ici, je vais mettre 100, clic droit, analyse. Sensibilité du paramètre et non pas du centimètre, du paramètre. Je clique et qu'est-ce qu'on voit? On voit que, ben, grosso modo, dans les 20 bougies qui suivent, ben, grosso modo, c'est pas terrible. Mais là, il y a quand même une sorte de pente, une sorte d'amélioration entre la 20e bougie et la 30e. Donc, si on clôturait par exemple uniquement à la 30e bougie et ce systématiquement, eh bien, grosso modo, on aurait une meilleure performance. Voyons si c'est vrai. Mettons 30. Vous voyez, on a une meilleure performance. Donc, je vais retirer ça, mais c'est très intéressant parce que vous avez vos propres signaux et ces signaux, si vous voulez évaluer leur valeur, c'est-à-dire ont-ils une valeur de percussion, d'impulsion? Est-ce que suite à ces signaux, le marché tend à aller dans la direction que je veux? Eh bien, vous le testez avec Time Stop et l'analyse sensitive. C'est extrêmement puissant. Alors maintenant, continuons. Bon, on garde toujours un œil, bien sûr, sur le gain, le nombre de trades, on va dire la pente ou la forme de notre courbe d'equity. Alors maintenant, jusqu'à présent, on est juste rentré en position, on a clôturé le soir, c'est tout. On n'a pas mis de stop, etc. Donc, le plus grand trade
gagnant, c'était 4 900, on le voit là. Mais le plus grand trade perdant maximum, plus grand trade gagnant. Plus grand trade perdant, 4 950. Donc c'est pas bien, bien sûr. Alors on va mettre des stops. Je vous propose le stop. Il y en a plusieurs, hein. On peut les trouver là, tous les stops. On va prendre le break-even. EOP, c'est pour faire du backtest. End of period. Ça veut dire à la fin de la période. Quand on fait du backtest, de toute façon, c'est à la fin de la période. Alors, puisqu'on raisonne sur la base de la clôture des bougies, on met le stop, on ferme. Le stop, on va le mettre sur, par exemple, on va lui permettre, vous voyez, alors, en bas, là, il y a le réglage, 30 ticks. Un tick, c'est 0,5 points. Et en bas, vous avez en fait minimum, maximum. Donc, nous, on va mettre, par exemple, 300. Et on va, par exemple, faire un sensibilité du paramètre. Ouais. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que bah, si on met beaucoup, on est un petit peu en positif. La courbe de 0, c'est là. Et grosso modo, si on éloigne vraiment, c'est là qu'on a le plus grand résultat. Donc, bon, on va là, on a un petit pic. Bon, là, un autre petit pic. Bon, écoutez, on va se mettre à 70 ticks. Ça fait 35 points. On ne veut pas non plus avoir on va dire des trades trop grands, enfin, des pertes trop grandes. Donc, plus grand trade perdant, 875. C'est toujours grand, hein. N'oubliez pas, on est sur le DAX, le grand DAX. Et ça, c'est le deuxième paramètre. Je passe les détails. On va le mettre sur 1. Je passe les détails. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est on va mettre un objectif. Donc, profit, target. Ouais. On met le profit target. Ah, on voit qu'avec un profit target, c'est un peu mieux quand même. Vous voyez, il y a un peu de pente. 30 et 30. Alors là, notre profit target, il est subdivisé en deux. Donc, long, c'est-à-dire quand je suis orienté à la hausse. Donc, on va mettre ici 300 aussi. Et on va faire une petite recherche. Sensibilité. Et on voit que ça, c'est intéressant. Vous voyez, quand on éloigne notre stop, lorsqu'on est long, eh bien lui, hop, il monte. La performance monte jusqu'à atteindre ce niveau-là. Et ce niveau-là, on ne va pas le dépasser. Et on peut après éloigner, éloigner, éloigner. Et on restera toujours à ce niveau-là. Donc là, c'est 50. Donc on va se mettre sur 50. On va se mettre sur 50, voire 90. Mettons-nous sur 90, quoi. À peu près, hein. Donc, ça nous donne une courbe quand même assez régulière, ouais, si on la met comme ça. Et qu'est-ce qu'il en est pour les trades short? Hop. Alors les trades short, on voit que là, il y a une sorte de plus haut vers 30, 20, 30. Bon, on va mettre, je sais pas, 25 par exemple. Et voilà, donc ça c'est notre réglage. Donc, vous voyez, on était sans aucun espoir. Là, on a trouvé quelque chose qui... Sur la base en tout cas de 200 jours, bon, il y a des hauts et des bas, hein. Là, il faut être capable d'encaisser des mauvais trades pendant du 18 juillet jusqu'au, pour ainsi dire, pendant un mois, quoi. Oui. Mais ça peut être plus longtemps parce que là, vous voyez, 14 septembre au 20 novembre, c'est pendant pratiquement 2 mois. Donc, il faut avoir un peu le mental solide. Mais là, maintenant, c'est parti. Pourtant, regardez le marché. Il a l'air dans une sorte de range. Et pourtant, là, on arrive à capturer des choses. Donc, ici, le point que je veux faire, c'est que le stop, très important, le réglage, l'analyse sensitive, l'objectif, avoir un objectif, à quelle distance le mettre. On peut aussi, bien entendu, choisir comme autre unité ATR, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus. On va continuer et on va montrer, par exemple, voilà, le concept d'optimisation. Le concept d'optimisation. J'explique. Nano, c'est un logiciel. L'optimisation, c'est du calcul. Nous sommes
les chefs, c'est nous qui commandons la nano, c'est pas la nano qui nous commande. Et donc, ce qu'il faut faire ici, c'est il faut dire, bon, je veux optimiser, mais qu'est-ce que je veux optimiser? Oui. Alors, je propose de nous limiter à uniquement le paramètre ici d'éloignement du stop break-even. Et ça, on va le garder fixe. Alors, juste pour rappeler, alors, pour garder fixe, c'est pour ça maintenant que vous voyez qu'on a un minimum et un maximum. Quand je fais constant, voilà, 1, 1, ce paramètre, on ne va pas l'optimiser. Que celui-ci. Et on veut au moins qu'il soit. Allez, on veut au moins avoir, je sais pas, 20 ticks, au moins 10 points, avoir au moins un minimum de sécurité, quoi. Au niveau du profit, on va mettre, allez, au moins 20. Il faut pas, il faut s'éloigner des solutions trop faciles et qui sont illusoires, quoi. On va mettre 20, mais on va mettre quand même 300 ici, quoi. Voilà. Donc, des quatre paramètres, il y en a trois qui sont optimisables. Ça, c'est pas optimisable. C'est fixe. Ici, méfiez-vous. Ça, on peut changer ces paramètres. Donc, on va les bloquer. Pour bloquer ça, on fait un clic droit et on dit fixer le sentimenteur actif. Fixer le sentimenteur actif. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Vous voyez, les paramètres sont fixes. Minimum, maximum, 1, 1. C'est très important de fixer ça parce qu'il y a des gens qui optimisent. Ça, c'est comme le réglage. Il y a des gens, ils optimisent le réglage. Au lieu de fixer le réglage et de travailler sur les paramètres. Ici, on va tout bloquer. Sauf les derniers paramètres là. Donc, comment on fait? Fixer sentimenteur actif. Donc, l'heure, on va la bloquer, l'heure. Et puis, ici, on va débloquer et on va mettre 20. Et là, on va mettre comme maximum 20, entre 1 et 20. Voilà. Donc, maintenant, on a notre réglage comme ça. On a notre equity curve. On appelle ça equity curve. On peut s'amuser aussi à faire la chose suivante. On peut aussi monter ça, vous voyez. Comme ça, s'il y a des modifications, l'échelle verticale, elle est relativement fixe. Et maintenant, on va chercher. Pour chercher, on se met sur Meta Sentimenter et on appuie sur ce bouton. On appuie sur ce bouton. Alors, juste avant, je voulais juste montrer une chose. C'est juste que, de quoi parle-t-on? Prenons juste là, par exemple, ça. Vous voyez, de quoi parle-t-on? On parle de. Par exemple, ici, un signal, un stop, un objectif, on est touché, bravo. Ici, un signal, un stop, on est touché. Mais vous voyez, on fait aussi bien le short que le long. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire sur tout le côté filtre de tendance, etc. Mais on n'a pas le temps aujourd'hui. Donc, nous, on reste avec ça. Je vais vous montrer la fonctionnalité d'optimisation qui est quand même très très bien. Démarrer. Alors on est limité ici dans le nombre d'essais, 10 000, le temps maximum, j'ai choisi 1 minute. Alors vous voyez tout de suite que bon, lui, c'est un calculateur, hein. Il est très puissant. On était à, je ne sais pas combien, on avait démarré, 10 000, on est maintenant à 54 000. Alors, il faut après prendre des pincettes. Et là, vous voyez en fait que, vous voyez sur le côté, les paramètres qui changent. Vous voyez? Donc la nano, elle calcule, et elle utilise des techniques de calcul mathématique pour, on va dire, faire ça de façon efficace, quoi. Et donc elle essaie, et puis en fonction des résultats, elle se rapproche d'un objectif, etc. Et maintenant, je vais arrêter. Et j'ai arrêté, et vous voyez que si je clique sur les différentes solutions, alors, ça va me donner, voilà, comme réglage, 241, 291, 211, 5 et 11. Alors, qu'est-ce que c'est 5 et 11? C'est, rappelez-vous, la possibilité qui est donnée au signal tree-line break de rentrer, même quand on n'est pas un point de retournement, mais on est en phase de hausse, par exemple, et on veut rentrer parce qu'on a cassé le dernier plus haut, ou on est en période de baisse, on casse le dernier plus bas. Donc ça, forcément, ça va augmenter le nombre de trades. Mais la question est, est-ce que ça contribue? Ça veut dire on prend la tendance en cours. On va regarder ça un petit peu dans le détail. Et donc, on peut changer, vous voyez. Et lui, il garde toutes les solutions. Après, c'est à nous de, bien sûr, d'étudier. Est-ce que ça a un sens, pas de sens? Est-ce qu'on pense que c'est
que c'est qu'on peut le garder sur le long terme, pas le long terme, etc. Vous voyez qu'ici, il y a quand même une très bonne période et après, c'est très plat. Donc, bon, je ne suis pas ici pour montrer le meilleur du meilleur. On va prendre. Allez, je prends ça juste comme ça, quoi. Je ferme. Voilà. Donc, voilà. Bon. Que dire de plus, hein, pour ce qui concerne, je dirais, la démonstration de la fonctionnalité, elle est très puissante. Elle donne des solutions. Après, c'est à vous d'aller regarder et de dire, est-ce que ça, c'est maintenant, est-ce que j'y crois? Est-ce que c'est, d'un point de vue mathématique, c'est juste, mais d'un point de vue trading et d'un point de vue d'expérience, est-ce que c'est un sens, etc. Alors, je reprends juste vos questions, parce qu'on a dépassé un petit peu l'horaire maintenant. Y a-t-il un filtre pour arrêter de rentrer en position à partir d'une certaine heure? Oui, le bloc. Oui, mais il va nous fermer les positions. Bon, ça, on l'a vu avant. Il va bloquer la sortie de position. Mettre point. Alors, le bloc ne va pas nous bloquer la sortie d'une position. Le bloc va nous bloquer l'ouverture d'une nouvelle position. Mettre point une stratégie sur une période donnée, c'est bien. Valider la stratégie sur une période différente est fondamental. Oui, Hervé, ça, c'est tout à fait vrai. Attention au curve fitting. Ça, c'est sûr. Maintenant, je viens de mettre 200 jours. Forcément, le calcul, ça va chercher le truc optimal pour cette période. Il faut le tester sur une période plus longue, etc. Comment exporter les données de l'optimisation pour les garder? Dans le fichier là, ici, donc on est dans Meta Sentimeter, on appuie là, on lance, stop. Ça, on peut enregistrer et en fait, DICE, c'est en fait tout ce qu'il y a dans la barre de personnalisation. C'est une stratégie. Donc, ce qu'on peut faire, c'est puis on peut enregistrer les stratégies qui sont bonnes dans un répertoire. Et puis après, on peut les rouvrir. On peut les rouvrir plus tard parce que les stratégies, elles apparaîtront quand, par exemple, je vais par exemple sur le DAX. Vous voyez, les fameuses stratégies. Alors, c'est pas ça, c'est comme si j'ouvrais une nouvelle stratégie, par exemple. Les stratégies, elles apparaîtront là. Oui. Donc, vous sauvegardez des choses, vous mettez un nom, je sais pas, backtest B, T1, 2, 3, 4, bon, pas bon. Et vous pouvez tout sauvegarder, c'est des fichiers. Après, vous pouvez les réouvrir, etc. Donc, c'est très puissant. La nano, c'est très puissant pour travailler très, très puissant. OK. Bon. Je crois qu'on est arrivé au bout pour ce qui concerne ma présentation. Je vais revenir sur la dernière slide. Vous avez bien participé, je vous remercie. Comment programmer croisement moyenne mobile Kaufmann à main? Alors attendez, je vais déjà conclure au niveau de. S'il y a encore des questions, attendez-moi une seconde, hein. Je conclue pour ceux qui ne connaissent pas notre société. WHS est régulièrement récompensé par les traders à travers différents organismes, Investment Trend par exemple, plus grande satisfaction client en 2017 en Allemagne pour les CFD Forex, meilleur courtier futur au salon de l'analyse technique et graphique à Paris, le Deutsches Kundeninstitut qui nous récompense régulièrement pour nos exécutions, la qualité des plateformes, etc. Donc, mon conseil, c'est devenez client de WHS pour devenir un meilleur trader parce que vous avez une plateforme super, vous avez une chaîne YouTube avec toutes ces présentations purement, on va dire, de trading, technique, qui ont du sens pour développer des stratégies, etc. Beaucoup d'expérience, vous êtes en contact avec beaucoup d'expérience ici, donc je dirais devenez client, ça c'est là. Le meilleur conseil que je peux vous donner. Alors, je reviens maintenant sur les questions. Je vais arrêter l'enregistrement. Voilà.